Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, aujourd'hui on est jeudi, il est 9h moins le quart, on vient de déposer Alice à l'école et on vient de rentrer. Aujourd'hui on est avec Aaron tous les deux. Coucou, ça va? Ils sont où les chaussons d'Aaron? Miam miam. Miam miam. Bah, t'as faim toi? On vient de faire le petit déj. Bon, j'avoue, il a pas eu le temps vraiment de manger comme un gâteau. Tu veux une compote? Tu veux une pomme pâte? On va te donner la pomme pâte si tu veux. Tu danses? Comment tu danses? Non, elle ne danse plus, il monte sur la chaise. Va t'asseoir sur ta chaise si tu veux, je vais te donner la compote. Ok. Il reste une pomme pâte. Pomme pâte. Parce qu'aujourd'hui, on va faire les courses. Oui. Ouvrir? Alors, il faut s'asseoir à table si tu veux que je te l'ouvre. Elle va t'asseoir à table, j'arrive. Ouais. Il faut que je vide la vaisselle, je le re-remplisse et que je le relance. Et ensuite, je vais coucher Aaron, je pense que... Enfin, je vais jouer un coup avec lui, après je vais le coucher pour faire mes menus. Et on parce que ça, il va pas se faire un petit dodo pendant que je fais mes menus. Et on ira les chercher tout à l'heure, les courses, tranquillement. Voilà. Regardez comme Aaron, il est tout beau. Je viens d'aller le chercher à la sieste. Il vous montre ses nouvelles chaussures. Il adore montrer ses chaussures. Waouh, dis donc, t'es beau. Et ton chapeau, tu montes ton chapeau? Tu le mets sur la tête? Wouhou. Alors là, ça c'est la classe, hein, dis donc. Donc les courses sont prêtes. C'était prévu pour midi et demi, mais à mon Leclerc, ils font toujours en avance. Ça c'est top. Du coup là, on vous dit à tout à l'heure. Je vous reprends. Je sais plus où est-ce qu'on en était. Je suis rentrée, j'ai filmé le retour de course. On a mangé. J'ai pas encore pris mon dessert, mais je vais le prendre quand Aaron sera accouché, je pense. Et il est en train de jouer. Il joue là-bas calmement. Il a mis du bazar, mais c'est pas bien grave. Hein. Ça se rangera ce soir. Coucou Aaron, tu nous montes ta voiture? Oh là là, elle est belle. C'est à toi? Comment tu t'appelles? Papa. Comment tu t'appelles? Papa. Papa? Non, tu t'appelles Aaron. Comment tu t'appelles? Papa. Papa. Oui. Ouvrir quoi? Elle est déjà ouverte la porte. Comment tu dis? Trouver. Trouver. Tout à l'heure, on a fait vite fait vidéo. Ouais. Trouver. On a appelé ma maman en vidéo et elle me disait j'ai trouvé. Enfin voilà, elle parlait de quelque chose. Dès qu'elle disait ça, Aaron, trouver. C'était trop drôle. Enfin bref, je voulais vite fait vous montrer. J'ai reçu le colis de ma belle-maman pour Pâques. Elle m'avait demandé de choisir entre des chocolats ou qu'elle leur prenait une tenue chacun. Je préférais la tenue parce que je me doutais que les chocolats, ça allait déjà être compliqué. Et effectivement, on en a eu beaucoup des chocolats. Donc, il faut faire les liquider au fur et à mesure. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc, elle a pris cette petite robe rouge magnifique pour Alissa. Je la trouve sublime. Ça ira parfaitement à Alissa. Donc, voilà. Ensuite, elle a pris ce petit pantalon pour Aaron. J'aime beaucoup aussi. Et c'est cool parce que vous savez, c'est une taille élastique là. Donc, ça fait pas mal. Ça va être agréable à porter. Et avec ce petit pantalon, elle a pris un petit t-shirt comme ça que j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà, ça lui fait une jolie petite tenue. J'aime trop cette petite tenue pour lui et pour elle. Voilà. Donc, ce soir, j'essaierai de leur faire essayer les tenues pour que je puisse lui faire une petite photo pour qu'elle puisse les voir porter. Tu joues? C'est bien, t'es grand, hein. Bon, je vous prends, je vais préparer une goûter des petits. Et on va y aller. On va y aller. D'ici 20 minutes, Aaron dort encore. Donc voilà, je vais préparer ça tranquillement. Je vais leur emmener des petits beurres. Changer un petit peu avec une compote et ça ira parfaitement. Voilà, une bouteille d'eau, enfin une gourde pour Lily, le biberon pour Aaron, enfin son verre d'eau sera plus simple. Et puis voilà, je vais préparer ça et je vais aller tranquillement le réveiller. J'ai du linge à faire, donc je vais m'occuper du linge peut-être, ça va le réveiller en douceur. Voilà,
Du coup, on va y aller à pied, comme ça me fera marcher, prendre l'air. J'aime trop, là, en ce moment, il fait soleil quand on joue. Enfin, en ce moment, c'est le deuxième jour. Ah. Je vous reprends, on vient de rentrer de l'école. Je suis rouge écarlate parce que dehors, il s'est mis à pleuvoir, donc on a fait, je crois, moitié moins de temps. Après, on est en train de finir sa compote. Ils vont faire le goûter ici. J'avais tout pris pour faire le goûter dehors. Mais clairement, quand j'ai vu qu'il s'est mis à pleuvoir, j'ai dit à Lisa, non, non, on s'arrête pas à cueillir des fleurs. On n'a pas le temps de discuter. On va vite. Hein, c'est vrai. Enfin, moi, t'as dit vite, vite, vite. Hein? Vite, vite, vite. Oui, oui. Vite, vite, vite. Donc, du coup, voilà, on vient de rentrer. Je transpire. J'ai fait mon sport de la journée. Tiens, chérie. Mais ça fait du bien. Voilà, du coup on fait notre petit. Enfin, il faut leur goûter, moi je vais rien manger, j'ai pas faim. Comme ça, je garde mes points pour ce soir. À tout à l'heure! Bon, je vous reprends, je suis en train de préparer le repas de ce soir. Alors, au menu pour les petits, un petit filet de colin, comme ça j'en ai fait deux parce qu'en fait il y en a un qui ira dans la boîte du jour pour demain midi. Une poêlée de légumes surgelés. Ouais, la flemme de couper les légumes ce soir. J'aurais pu, hein, mais voilà, ça a l'air très très bon. Il y a quand même des haricots verts, oignons, champignons, brocolis et mince, poivrons. Hi everybody, welcome in the new video with Mr. and Daddy. Ce soir, je suis moitié moi, moitié un autre moi. Moitié moi j'ai l'oreille blanche, moitié moi j'ai l'oreille rouge. Non, en fait je vous prends simplement, en fait je vais découvrir en direct, vous voyez mes réactions, le vlog d'aujourd'hui et les commentaires. Attention, ça charge. Oh trop cool, il y a un nouveau vlog de Lady Almemi, la chasse aux œufs au milieu des poules, trop ouf. Tu te moques de moi? Donc, bien évidemment, ceci n'est pas trafiqué, c'est ma réaction en direct. Par contre, je ne l'ai vraiment pas vu. Oh, il est trop mignon ce petit garçon. Bonjour Josiane, et dimanche, on vous prend pour vous dire au saut du... Il y a un problème sur le texte. Lis ce dimanche, là ou non, français, tout en train de finir de Julien, boire c'est le café. Bon, c'est pas le... Julien, ça n'est pas intéressant. La lettre, tu sais faire. Bon, visiblement... Il y a moyen de se taper des barres en disant comme ça, mais ça correspond pas trop. YouTube, il va falloir améliorer ça. Donc voilà, welcome, c'est nous. Je constate qu'il y a 800 de vues, 46 j'aime, 1 j'aime pas. Hop, je mets un pouce bleu, ça fait 47 j'aime. Merci. Et je vois, donc là je suis content parce que je vois mes enfants. Je les ai pas vus aujourd'hui, je vois ma femme aussi. Et je me vois, moi, bon, j'étais avec moi toute la journée déjà, donc ça me... Donc voilà, donc j'ai pas trop vu, si je me rappelle plus, bon, je devine ce qui s'est à peu près passé, parce que c'était quand on était chez ma belle-mère. J'espère que tu voilà, on a joué avec les poules et tout, donc voilà. Donc je lis les commentaires et je vais les lire avec vous, donc il y a 8 commentaires. Je commence, il y a 13h, Ticia Bella. Coucou la petite famille, coucou Ticia. J'espère que vous profitez bien. Vous avez bien profité. Trop chou les petits à la chasse aux œufs. Bisous à tous. Alors juste, t'as mis les petits en majuscule. Juste le mot petit. Est-ce qu'il y a une signification ou pas? Peut-être pas. Bon, voilà. Merci pour ton commentaire. Dites-le si vous faites. On a bien profité. Franchement, ça a fait du bien. Ça a bien coupé de faire un week-end comme ça. Avec les poules et tout, on pouvait les caresser. Il y avait les œufs. Quoi, c'est vrai, moi je les ai caressés. Bah, pas moi. Je vais vous montrer, bah, vous les avez vus dans la vidéo. Ouais, je vais pas vous montrer, vous les avez vus dans la vidéo. Non, on les a quasiment pas vus dans la vidéo. Ah, on les a pas vus dans la vidéo, alors je vais vous montrer. J'ai pris une photo des poules. Il y en a une, elle est juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est juste une tuerie ce poule. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. C'est les deux poules. La noire, elle est un peu moins jolie et moins esthétique. Par contre, celle-là, là, elle a des plumes, une couleur de ouf, de derrière et tout. Elle est trop belle. Et en fait, celle-là, elle l'a eue, elle faisait la taille de ma main. Donc, elle a été habituée. Alissa la prenait tout le temps dans les mains et tout. Donc, elle a été habituée à être caressée, à être prise. Donc, elle se laisse encore caresser si on l'approche délicatement et on peut encore l'attraper
la prendre dans les mains sans trop de soucis, quoi. Elle aime bien, c'est cool, elle est trop belle, vraiment. Donc voilà, franchement, c'est trop reposant. C'est vrai que c'est un... Bon, il y a un peu d'entretien quand même, mais ça doit être bien, bien kiffant d'en avoir à la maison. Surtout pour les œufs frais. Pour les œufs, puis quand on entend, moi j'adore quand je les entends, je sais pas comment on dit, cocorico, là. Cocorico. Quand elle chuchote. Donc voilà. Maintenant, je passe à un commentaire, une demi-heure. On est mal barré. Aurore M. Coucou, j'ai regardé ta vidéo en prenant mon petit-déj et j'ai adoré. Bisous à vous. 4. Hello, monsieur Julien. Hello, Mrs. Aurore. bah, écoute, c'est sympa. Franchement, voilà, ça fait toujours plaisir. Bah, tu peux la sortir. Là. Par contre, je pense. Excusez-moi, Farah va sortir la tarte du four. Donc je pense que quand t'as pris ton petit déj, tu t'es imaginé les petits œufs brouillés de poule et tout, donc ça a dû te faire kiffer, ou les œufs en chocolat de Pâques, je sais pas trop. Non mais voilà, c'est sympa, merci pour ton commentaire, d'avoir pris le temps de regarder la vidéo au petit déj. Ça veut dire qu'on fait partie aussi de ton quotidien, c'est cool, c'est gentil. Et bien je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée quand tu verras ce vlog. Ben, bon petit déj, parce qu'à mon avis tu vas le regarder au petit déj. Voilà. Ensuite, je passe à Lucille. Coucou Farah et Julien, je vous souhaite une excellente journée. Avec bisous et puis le petit smiley avec les joues rouges. Ben écoute, merci, la journée s'est bien passée pour moi. Je sais pas pour toi, c'est bien passé, ma chérie. Ah, attends, parce que. Oh, vous avez coupé, il n'y a plus de batterie. T'as vu qu'il n'y a plus de batterie? D'accord, oui, c'est passé, très bien passé. Merci. Donc voilà, c'est bien. Merci et bonne journée à toi. Je suis pressé par le temps, du coup, là. Oran Beaugrand. Mais ça va couper, hein. À chaque fois que je lis, je mets un pouce. Hein. À 2 minutes 52, quand tu reconnais la musique en fond, tu sais que tu es parent. Ah, c'est quoi la musique? Je sais plus. Ah, ça doit être un jeu. Alors, je suis désolé, j'espère que ça va pas couper. Je cherche le 2 minutes 52, 2 minutes... Non, mais... Alors, attendez. Il est très joli, vous savez, il a des manches comme ça, et il est large en bas, il est long. Donc, parfait. Là, pendant que Julien finit de se préparer, il est mieux que ça de nos petits. Bon, c'est une musique de dessin animé, bon, je la reconnais pas. T'as mis des cochons, donc c'est peut-être l'histoire de cochons, j'en sais rien. Voilà. Béa Lopez, il y a 9h. Trop mignon la chasse aux œufs. Bisous, bisous Béa. J'espère que t'as passé un bon pack et que t'as fait une chasse aussi en famille. Edith Borné, merci pour ton commentaire, mais merci à tous. Coucou Farah, tu vas bien profiter de ta journée en famille. Ah, coucou Farah, tu vas bien. Il manque la ponctuation. Profite bien de ta journée en famille, c'est sympa. Aujourd'hui, il n'y avait pas la famille, enfin, juste Aaron, mais elle a bien profité de son week-end. Merci à toi. Nora, aïe, on n'a plus de batterie, je crois que ça va couper ton... Coucou jolie Farah, heureuse de te retrouver. Le haut jaune te va tellement bien, je suis d'accord avec toi. Franchement, elle était trop classe avec son haut. Elle avait un haut bleu aussi, je crois. Ouais. Ce week-end, elle est franchement une tuerie. J'adore quand elle est comme ça, elle est trop belle, elle est trop... c'est une couleur super sur toi. Trop cool d'aller passer la Pâques. C'est bizarre comme expression, la Pâques. Je connaissais. Moi, je dis pas comme ça. Moi, je dis Pâques. D'aller passer Pâques ou les fêtes de Pâques. Chez toi, bref, super pour les enfants et la chasse aux œufs. C'est sympa tous ces chocolats. Moi, la gourmande. Petite gourmande, va. After, jamais lu. Et j'ai vu que le film sortait, je verrai bien. Alors, si tu dis que c'est bien. Plein de bisous. Alors, avant de finir le truc, After, c'est pas mal. Le film est plutôt bien. Bon, c'est un film de nana. Hein. Mais bon, je l'ai regardé, c'était divertissant. Farah n'a pas trop aimé parce qu'elle a lu le livre et mais... il manque des détails, beaucoup de détails. Ouais. Voilà. Parce que vous savez, les films comme ça, c'est un peu comme 50 nuances de gris, ça vous emmène loin dans votre imaginaire, les filles. Et donc, le film tout coupé, ça. Julien, je t'ai bien expliqué en plus les passages qui manquaient. Il n'y a plus de batterie, je continue mes commentaires. Donc elle dit plein de bisous, ma belle, à toi et au loulou. Sans oublier Daddy, je te remercie, Mister Nora.
Hop, un pouce bleu et je te souhaite une bonne journée. Et Edith, de nouveau, oui, c'est la rentrée, super. Effectivement, Lily, je crois qu'elle était contente de retourner à l'école. Ouais. Donc voilà, ça s'est bien passé, donc c'est cool. Voili, voilou, merci pour vos commentaires, il y en aura peut-être d'autres d'ici demain. Merci à vous. Et on va clôturer avant que ça coupe. Allez, ça marche. Donc on espère que cette petite vidéo en notre compagnie vous aura plu. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à demain. Bye. Salut.